Les fascistes plantaires, ou douleurs plantaires, se manifestent à la base du talon. Cette douleur peut se manifester dans tout le pied ou être la conséquence d'une autre lésion. Elle peut résulter d'une pression excessive qui s'exerce sur le pied et qui finit par provoquer une rupture des ligaments. Cela va donc provoquer une douleur intense et provoquer une sensation de raideur au niveau du talon. Cause des douleurs plantaires. Les douleurs plantaires peuvent être provoquées principalement par un excès de poids, une grossesse, des journées de travail et trop chargées, le port de chaussures inadéquates, le fait d'avoir les pieds plats ou trop cambrés. Le symptôme des douleurs plantaires. Les symptômes produits par cette affection sont habituellement une douleur, une brûlure à la base du talon ou dans tout le pied, une raideur en général. Ce problème ne se manifeste qu'à un pied. Il peut cependant affecter les deux pieds à la fois. La douleur est beaucoup plus intense le matin au réveil lorsqu'on commence à marcher après s'être reposé toute la nuit ou si l'on est resté longtemps assis. La douleur peut également se manifester après une longue séance d'exercice ou bien après être resté longtemps debout à travailler. Lisez également des exercices simples pour le mal de dos. Les traitements indiqués pour calmer la douleur à la plante du pied. Le traitement indiqué pour calmer cette douleur consiste principalement à faire baisser l'inflammation. Remède maison. Tout d'abord, la première chose à faire est de rester pieds nus le plus longtemps possible. Il convient également d'appliquer de la glace sur la zone affectée au moins 4 fois par jour pendant 20 minutes. Cela permettra de faire baisser l'inflammation. De plus, vous pouvez placer dans vos chaussures un support pour la voûte plantaire. La douleur va ainsi diminuer. Faites au moins 20 minutes d'exercice d'étirement tous les jours. Enfin, vous pouvez prendre un anti-inflammatoire comme l'ibuprofène pour atténuer la douleur de façon efficace. Attention cependant à ne pas trop en consommer. Lisez également les bienfaits de marcher pieds nus. Les traitements médicaux pour lutter contre les douleurs plantaires. Si les anti-inflammatoires se révèlent peu utiles, il est possible de recourir aux piqûres de corticoïdes. On les injecte directement à l'endroit où le ligament est affecté, au talon ou sous la voûte plantaire. Il faut ensuite appliquer du courant électrique, ce qui n'est absolument pas douloureux, afin de faire pénétrer le stéroïde dans le muscle. De plus, le spécialiste peut décider de prescrire une thérapie à base d'exercices physiques qui consiste à pratiquer des étirements du fascia plantaire et du tendon d'Achille. Il est également recommandé de faire des exercices pour affermir les muscles inférieurs de la jambe. Dans certains cas, il est primordial d'utiliser une attelle pendant la nuit qui sert à tendre le mollet et la voûte plantaire. Cela permet de maintenir le pied en flexion tout en étirant le fascia plantaire et le tendon d'Achille. Grâce à ceci, il y aura une diminution de la douleur et de la raideur lors du réveil. On peut enfin utiliser une semelle orthopédique que l'on place à l'intérieur de la chaussure afin de mieux répartir la pression. Cela permet également d'éviter l'apparition des lésions plus importantes sur le fascia plantaire. Rappelez-vous, il est fondamental que vous observiez tous les symptômes qui peuvent se présenter. Si vous commencez l'un des traitements maison indiqués plus haut sans ressentir aucune amélioration, nous vous conseillons alors de consulter immédiatement votre médecin et de suivre le traitement qu'il vous prescrira. Comment nettoyer vos chaussures selon leur matière? Les chaussures constituent un élément fondamental d'une tenue. Découvrez ici quelques astuces pour nettoyer correctement vos chaussures selon la matière. Lire plus Let's Block ADS.